Coucou les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous invite tout d'abord à liker, à vous abonner sur cette chaîne. Vous trouverez plein d'idées de coiffure à réaliser. Là, je vous donne des idées de coiffure à faire avec des perles. Les perles, ça a vraiment rythmé mon enfance. Qui n'a pas mis des perles lorsqu'il était petit? Et là, ça revient à la mode, les filles, que vous ayez des locks, des micro-locks, des braids, des box braids. Vous avez pour toutes les couleurs et tous les goûts. Regardez-moi ces perles. Déjà, ça vous donne aussi des idées de coiffure à réaliser vous-même. Là, moi, j'aime trop les perles. Honnêtement, vous les achetez sur AliExpress. Vous allez trouver des petits sacs et tout. Ou quand vous allez aussi au Bled, acheter des perles au Bled. C'est toujours les meilleures perles et les élastiques là-bas, c'est toujours de bonne qualité. Il faut bien des bons élastiques qui ferment bien. Non, moi, les perles, c'est vraiment la base. C'est la base de mon enfance. Et je suis bien contente que ça redevienne à la mode. Que les perles reviennent à la mode. Non mais j'aime trop les perles. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Peu importe la coiffure que vous allez faire, vous pouvez tresser juste vos cheveux comme cette fille-là. Donc juste vos cheveux naturels et mettre des perles au bout. Ça a toujours son petit charme. Mais après, il faut pas non plus paraître comme si on sortait de la primaire et tout ça, tu vois. Il y a des perles aussi qui font un peu plus madame, un peu plus... tu vois, ça coûte pas très cher, même chez le chinois, à 3 euros, vous trouvez des petits, vos petits trucs de perles et tout, des petits sachets de perles. Vous achetez des élastiques, vous mettez les perles, vous mettez les élastiques. Par contre, les élastiques, quand c'est vos cheveux, essayez de mettre les élastiques dans de l'huile. Vous mettez un petit peu, vous passez un petit peu d'huile pour que ça puisse mieux glisser. Et puis le jour où vous allez enlever, vous n'allez pas être obligé d'arracher vos cheveux, tu vois. Après, ça dépend aussi du look que vous voulez vous donner. Moi, perso, les perles, je valide à 100%. Ça va pas du tout faire gamine. C'est juste, c'est juste trop beau, quoi. C'est juste magnifique. Vous avez aussi des perles en bois. Il y a aussi les perles, les classiques, tu vois, comme les transparentes et tout. Il faut faire attention. Si vous cognez le mur, il y a déjà eu des catastrophes qui se sont produites à cause de ça. Surtout si vous mettez aux enfants des perles, les filles, faites grave attention parce que les enfants, ils jouent et tout, ils peuvent se cogner la tête et machin, bordel. Bon, les filles, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à liker, à vous abonner.